Jésus, tu es puissant, tu es puissant, Jésus. Oh, tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, tu es puissant, Jésus. Oh, tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Hosanna. Alléluia. Oh, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Alléluia, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Hosanna, Hosanna, oh Alléluia. Oui, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Jésus. Oui, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as sauvé, Alléluia, Jésus. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as sauvé, Jésus. Hosanna, Hosanna, oh Alléluia. Oui, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. Oui, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Alléluia, Yahweh, à toi la gloire, le Dieu vivant. Alléluia, 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 Seigneur Jésus, Alléluia, Yahweh, Alléluia, le Fils de Dieu, Alléluia, Alléluia. Alléluia, le Dieu qui donne la vie. Alléluia, Alléluia, le roi de gloire. Alléluia, 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 Seigneur Jésus, Alléluia. Révélation, Alléluia, Yahweh. Oh, Alléluia, le Dieu qui nous parle, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Caché aux dieux, aux hommes forts de ce monde, aux hommes riches de ce monde, aux hommes puissants de ce monde, Seigneur Dieu des armées. Seigneur, je vais t'élever, oh Dieu des armées, je vais t'élever, t'adorer. Je viens, oh Dieu, t'exprimer ma reconnaissance. Toi qui es le véritable Dieu, toi le Dieu des armées, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Yahweh, sois élevé au-dessus de tout. Jésus, sois élevé le roi des rois. Jésus, sois élevé le très haut. Sois élevé le Dieu comparable. Sois élevé le Dieu commensurable. Bénissons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Tu es le véritable Dieu. Seigneur, ce matin, je vous dis merci. Merci pour notre bon pour Dieu, Papa. Pour Dieu, la bonne santé. Mais aussi pour le souffle de vie, Seigneur. Oui, Jésus, je te dis merci. Merci pour la manifestation de ta bonté dans ma vie. Merci, Jésus, pour ton immense amour, Seigneur, que tu as renouvelé aujourd'hui. Merci pour tes compassions que tu as renouvelées aujourd'hui. Merci pour tes bontés, Seigneur, que tu as renouvelées dans ma vie. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Dieu incomparable. Sois élevé le Dieu incommensurable. À toi le trône éternel. À toi le trône de gloire. À toi le trône Jésus-Christ. Toi qui règnes à jamais. Toi qui es assis, ô Dieu, sur ton trône à jamais. Seigneur, tu règnes. Oh, Yahweh, je vais t'élever dans ma vie, Seigneur. Oh, Yahweh, sois élevé au-dessus de tout. Merci pour le nom. À toi l'adoration, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, mon Dieu, roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Yahvé. Jésus est le même. Oui, toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom. Oh, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, adorons le nom. Alléluia. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Jésus, élevons le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, Jésus est le même.
Alléluia, glorifions le nom de Jésus, glorifions le nom du Seigneur Jésus, Yahweh, Jésus est le même, oui, toujours le même, glorifions le nom du Seigneur Jésus, le roi des rois, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le Dieu tout-puissant, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus assis sur son trône, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comment ne pas t'adorer Jésus, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus l'ami fidèle, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, oh Alléluia, Hosanna, Hosanna, Yahweh, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Yahweh, Alléluia, oh nous t'adorons Jésus-Christ, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Yahweh, Alléluia, oh tu es digne de Alléluia, reçois la gloire Jésus-Christ. Oh, tu es digne de voir Yahweh. Oh, nous d'accord-toi Jésus-Christ. Oh, tu es le Dieu fidèle. Oh, Zaza, Zaza, nous enlevons le nom de Jésus au-dessus de tous les trônes, au-dessus de tous les idoles, au-dessus de tout ce qui se vit sur les cieux, au-dessus de tout ce qui vit sur la terre, Seigneur, je vais élever ton nom. Parce que David déclare que tu es le roi des rois. La Bible dit que tu es celui qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms. Donc devant de ton nom, tous les genoux fléchiront Jésus. Voilà pourquoi je vais élever ton nom, Seigneur. Dans ma vie, oh Dieu, dans ma famille, Seigneur Jésus, au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ, je lève ton trône au-dessus de tous les trônes, et je lève ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur, parce que c'est toi l'unique et le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu redoutable, Yahweh, le Dieu puissant, le Dieu incomparable, Yahweh, le Dieu puissant, le Dieu incommensurable, oh Dieu des armées, que ton nom soit béni, Jésus, que ton nom soit loué, Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, c'est toi, Seigneur. Celui qui voit toutes les choses avant que les choses arrivent. Celui qui même les prédit, oh Dieu. Celui qui nous avertit, celui qui nous révèle les choses cachées. Oh Dieu, mon roi, c'est toi. Reçois l'adoration à Jésus. Reçois la gloire, le roi des rois. Reçois la gloire, le Dieu très haut. Reçois la gloire, l'alpha, l'oméga. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur. Le Dieu incommensurable, c'est toi, Yahweh. Le Dieu incommensurable, c'est toi, Yahweh. Mon homme, tes lèvres, oh Dieu. De tout Seigneur, madame te bénisse, ô Dieu d'Israël, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, Seigneur. Quand je vois ma vie, ô Dieu, quand je vois d'où tu m'as tiré, Seigneur, quand je vois les ténèbres qui m'environnaient, ô Dieu, quand je vois les ténèbres dans lesquelles, la profondeur des ténèbres dans lesquelles j'étais, Jésus, et moi, ô Dieu du Seigneur, mon Dieu, il y a en fait ne serait-ce qu'un rayon, ô Dieu, qui arrive, Seigneur, et là où je suis, ô Père de gloire, Seigneur, je dis que non, toi tu es bon, moi je dis, ô Dieu, que toi tu es bon, voilà pourquoi ce matin je vais t'élever, voilà pourquoi ce matin je viens t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, des armes, sois élevé au-dessus de tout. Que le corps et l'enfant te reviennent. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur.
Seigneur. Bienvenue que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Assis sur ton trône, Seigneur Jésus, tu règnes. Assis sur ton trône, ô Dieu, mon roi, tu règnes. Tu règnes d'éternité en éternité, ô Jésus. Tu règnes, ô Père de gloire, de siècle en siècle, ô Père de gloire. Tu règnes, ô Dieu, de génération en génération. Ton règne ne finira jamais, ô Père de gloire. Le monde, ô Père de gloire, cessera, Seigneur Jésus. Seigneur, cette terre n'existera plus, ô Père de gloire. Mais toi, Jésus-Christ, tu règnes à jamais. Ton trône, Seigneur, est un trône éternel, Seigneur Jésus. Ton règne, ô Dieu, est un règne éternel, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je vais élever ton Seigneur. Hosanna au pied des cieux. Hosanna à toi, le Dieu vivant. Hosanna à toi, le Dieu des armées. Hosanna à toi, au roi des rois. Le Dieu de mon salut, c'est toi, Seigneur Jésus. Le Dieu de ma grâce, c'est toi, Seigneur Jésus. Le Dieu de ma vie, c'est toi, Seigneur Jésus. Le Dieu qui donne la vie, papa, c'est toi. Je veux que ton nom soit béni, Seigneur. Nous ne comme toi, Seigneur, mon roi. Nous ne comme toi, Seigneur Jésus. Tu es l'unique et le véritable Dieu, Yahweh. Tu es digne, Seigneur, de t'élever. Tu es digne de t'adorer, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Yahweh. Tu es digne d'exalter, ô Père éternel. Nous ne comparables à toi, Seigneur Jésus. Tu es le véritable et le fidèle. Tu es le redoutable, ô Père de gloire. Tu es le Dieu de la tribu de Judas, ô Père de gloire. Tu es le Dieu de papa et de maman, l'ingui, ô Dieu des armées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, ô Père. Alléluia, Hosanna Jésus. Tu es digne, Seigneur, mon roi. Tu es digne de t'élever, Jésus. Alléluia. Nani akokango la biso mosusuazalite. Nani akobate la biso mosusuazalite. Okaka yo yeswe azalite. Alleluia. Azalite. Koyo yeswe. Kanina Yesu mosusuazalite. Nani akoyoke la biso mosusuazalite. Nani akobate la biso mosusuazalite. Okaka yo Yahweh azalite. Alleluia. Azalite. Comparable à toi, Seigneur Jésus. Mon âme te lève au-dessus de tout Jésus. Oh Yahweh, mon âme te bénisse, mon Père de gloire. Jésus, qui peut nous révéler les choses cachées comme toi tu nous les révèles? Qui peut nous amener de la vraie repentance, oh Dieu, comme toi tu nous les amènes, Seigneur? Qui peut nous amener de la délivrance, oh Dieu, comme toi tu le fais, oh Père? Voilà pourquoi dans cette quarantaine, je vais t'élever, mon Père de gloire. Je vais t'élever, t'adorer, mon Père de gloire. Je vais te louer, Jésus-Christ, homme de Galilée, Seigneur. Le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous révèle les choses en profondeur. Seigneur, le Dieu qui nous amène de la profondeur de la parole. Nous avons de la profondeur de la repentance. Nous avons de la profondeur, oh Dieu, de la connaissance des choses spirituelles. Mon âme te bénit, oh Dieu des armées. Voilà, te loue, t'adore, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, reçois l'adoration, Seigneur. Et reçois la gloire, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de semblable à toi, Jésus. Il n'y a pas de pareil à toi, Jésus. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu fidèle et bon, Seigneur. Oh oui, Seigneur Dieu des armées. Je te loue, je t'adore. Je reconnais ta bonté, Seigneur Jésus. Je reconnais ta bonté, l'éternel Dieu des armées. Je reconnais ta bonté, le Dieu des armées. Je reconnais ta bonté dans nos vies, Seigneur. Je reconnais ta bonté pour ce siège de Grenoble. Je reconnais ta bonté.
demander au Père de gloire, Seigneur Jésus, toi qui es un Seigneur grandable, tu nous aimes pour Dieu des armées, et tu nous envoies la parole, Seigneur, de la délivrance. Tu nous envoies la parole, ô Dieu, de la repentance. Tu nous envoies la parole, ô Dieu, papa, de la profondeur. Ô Seigneur, que ton nom soit loué. Yahweh, que ton nom soit élevé. Jésus-Christ, tu es digne. Jésus-Christ, tu es digne. Tu es digne d'adoration, Père. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur Jésus. Hosanna à toi, Seigneur, mon souverain. Hosanna à toi, le Dieu tout-puissant. Hosanna à toi, le Dieu bientôt du matin. Hosanna à toi, le soleil de justice. Hosanna à toi, le roi des rois. Jésus, tu es digne de t'élever. Jésus, tu es digne de t'adorer. Jésus, tu es digne de louange. À toi, l'adoration, Seigneur Jésus. À toi, la gloire, Seigneur, mon souverain. Oh, Yahweh, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé au Père de gloire. Que ton nom soit élevé au Jésus. Et avec que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de bonté, Seigneur, mon souverain. À toi, l'adoration, Seigneur Jésus. Et à toi, la gloire, Seigneur, mon souverain. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton nom, Yahweh. Nous ne croyons pas, Seigneur. Merci pour la puissance, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, nous voulons dire d'abord encore merci spécifiquement à Dieu par rapport à la profondeur de la parole. Parce que ces choses que Dieu nous donne, amen. La révélation, la profondeur, la connaissance, amen. Ce n'est pas comme partout. Amen. Bien aimé, bien sûr, Dieu, on l'adore dans les églises. Dieu, on l'adore partout où il y a les églises, il y a les pasteurs. Oui, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais on a une grâce spéciale dans ce ciel de Grenoble. Amen, amen, amen. Dieu nous amène dans la profondeur. Amen. Vous voyez pourquoi ? On va dire, Seigneur, par rapport à la connaissance que tu nous donnes, par rapport à la profondeur de la parole, par rapport à là où tu nous amènes dans la délivrance, nous allons te rendre gloire. Nous allons t'élever. Nous allons te louer. Seigneur, je viens t'élever, ô Dieu. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que si peut-être que si j'étais resté dans l'église où j'étais resté, Seigneur Jésus, où je suis venu, Seigneur, je n'aurais pas eu cette connaissance. Je n'aurais pas eu cette profondeur. Je n'aurais pas eu, ô Dieu, la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, d'avoir, ô Dieu, cette connaissance qui m'amène à la vraie repentance par rapport à ma situation, par rapport à mes origines, par rapport à moi-même, par rapport à ce qui est, ô Dieu, par rapport à la personne que je suis, Seigneur, mais je reconnais, Seigneur, que tu m'as donné une grâce exceptionnelle, que tu m'as donné une grâce exceptionnelle. Ô Dieu, par rapport à cette parole, par rapport à ces enseignements, par rapport, ô Dieu, à la profondeur, Seigneur Jésus-Christ, que c'est la connaissance que tu nous donnes. Laisse ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Ô Dieu, sois élevé au-dessus de tout. Éternel, je bénis ton nom pour cette grâce. Éternel, je te loue, ô Dieu, pour cette grâce. À toi l'honneur et à toi la gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne de t'élever, ô Père de gloire. Tu es digne de t'adorer. Jésus, ô Dieu des armées, sois élevé au-dessus de tout. Madame, tu bénis ton Père de gloire. Je t'adore, Seigneur Jésus. Alléluia. De tout cœur, je te dis merci, Seigneur. De tout cœur, je te loue, ô Père. De tout cœur, je t'adore. Tu es le véritable et le fidèle. Tu es le roi des rois. Alléluia, Saint d'amour, je crois. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Nous acclamons gloire à Dieu. Nous acclamons Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Qui est Seigneur? C'est lui le roi des rois. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le chevalier de l'Apocalypse. C'est lui qui appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est le même. Alléluia. Il est le même, il est le même, il n'a pas changé, Jésus est le même, il est le même. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Reçois toute la gloire. Amen. Seigneur, cette matinée entre tes saintes et divines mains. Cette matinée de prière,
montre tes saintes et divines mains. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Toi, le Dieu de papa et de maman Olagi, toi qui nous as ramassés dans la boue éternelle des armées, toi qui est digne d'être élevé, d'adorer, Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses en tes saintes et divines mains. Père, sois béni pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen, amen. Nous avons commencé avec la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. Amen. Nous avons beaucoup prié pour l'esprit de la sorcellerie. Un amen est bien. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons continué sur le dépouillement. Alléluia. Amen, qui amen, ne amen. Sont autres que les œuvres de la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Le dépouillement. Je ne sais pas si chacun de nous a cette tête, a ce thème-là dans la tête. Mm-hmm. Le dépouillement. Un amen est bien. Amen, amen. Alors nous avons dénoncé des choses et nous sommes dans les trônes. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Des choses qui touche directement l'ennemi. Un amen est bien. Amen. Alors, il y aura ce matin, on ne va pas faire l'enseignement, mais nous allons prier. Amen. Le frère Joseph va nous conduire dans la prière. Amen. Nous allons prier parce amen. Que depuis que nous avons commencé ces choses, alléluia, amen. Il y a beaucoup d'attaques. Un amen est bien. Amen. On n'a pas des choses à se justifier ici. Mais nous avons attaqué le trône du diable et il y a des ripostes, il y a beaucoup de choses. Mais ce matin, nous voulons juste prier. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons passer le temps dans la prière. Amen, amen, amen. Même là où tu es chez toi, à la maison, toi qui es, tu es dans ce programme, depuis que nous avons commencé cette quarantaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois en prière. Amen. Un amen est bien. Amen. Sois en prière. Nous devons prier. Parce qu'il y a des attaques très, 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 très grave. Mais nous savons que c'est l'œuvre de ceux que nous sommes en train de mettre à nu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le frère Joseph va nous conduire dans la prière. Amen. Nous allons prier et nous allons continuer à prier. Un amen est bien. Amen. Je n'ai pas voulu donner un enseignement ce matin. Pas parce qu'il y a quoi que ce soit, mais nous devons prier. Amen, amen. Un amen est bien. Amen. Mais nous avons la victoire. Amen. Nous marchons dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la Bible, l'homme a parlé, l'homme continue à parler et l'homme parlera, c'est son droit. Amen. Alléluia. Amen. Mais à toi, je dis, tiens bon. Amen. Un amen est bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Joseph va nous conduire dans la prière. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Dieu est bon. Amen. Car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et amen. Je crois que si Dieu permet que nous puissions prier, c'est pour une bonne raison. Amen. Parce que le sujet est consistant. Amen. C'est lourd. Comme maman disait, vient de le dire, ça touche vraiment à l'ennemi. Alléluia. Amen. Et maman avait commencé à enseigner par rapport au trône. Tu peux t'asseoir, il va faire un résumé. Par rapport au trône. Et nous savons comment est-ce que le diable a été précipité. Mais comment est-ce qu'il a été précipité, plutôt qu'est-ce qui a valu sa précipitation? Il a vu comment Dieu était assis sur son trône, amen. Élevé au-dessus de tout. Alléluia. Et le diable voulait convoiter, et non, pas voulait. Il a convoité le trône de Dieu. Il a vu que Dieu était grand, était majestueux. Il a voulu convoiter son trône, que lui aussi soit adoré comme Dieu. Mais il n'a pas réussi, il était précipité. Alléluia. Amen. Mais comme il ne s'avoue pas vaincu, il voulait copier Dieu. Amen. Et dans ces choses-là, il a fait de sorte que, arrivé sur terre, étant précipité sur terre, il a organisé au milieu des hommes, au milieu de la société humaine, qu'on appelle la coutume, il s'est organisé pour qu'il a mis en place un système où il va retrouver les mêmes attributs que le trône de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est ainsi que dans toutes les sociétés, en toutes les générations, il y a eu toujours des trônes. Je ne parle pas seulement des trônes physiques, non. Je parle des trônes de la sorcellerie, des trônes de la coutume, des trônes qui amènent l'homme à la destruction, qui amènent l'homme à la mort. Les trônes qui ont été établis par le diable, par l'ennemi, qui font que nous sommes plutôt l'humanité, ou plutôt les familles, sont dans l'idolâtrie. Amen. Amen, amen. Parce que quand on parle de trône bien-aimé de le Seigneur, comme disait maman, Dieu est assis sur ton trône. Mais quand on parle de trône, on parle aussi de divinité.
Donc, ce sont les divinités qui sont assises sur le trône et ils utilisent des hommes pour asseoir leur pouvoir. Amen. Et dans cette catégorie, maman a désigné trois types de personnes. Il y a d'abord, on appelle ceux-là qui sont inconscients. Donc, la personne qui est inconsciente. La personne inconsciente, c'est-à-dire qu'elle subit les choses du trône. On voit que cette personne est maladive. On voit que cette personne, elle est célibataire. Ou même, il y a des morts précoces. Il y a des divorces. Il y a des gens qui sont stériles. Mais la personne ne sait pas pourquoi elle est dans cet état-là. Amen. Amen. C'est une personne qui est inconsciente, mais qui, pourtant qui vit les effets, ou plutôt la conséquence du trône. Amen. Amen. Maintenant, il y a la personne qui est consciente. La personne qui est consciente, c'est celle qui a une position sur le trône. C'est-à-dire que, humainement, plutôt physiquement, elle représente le trône. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Comme partout, on connaît, on ne peut pas avoir deux rois sur un même trône. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'une personne soit désignée par la coutume et élevée sur le trône. Cette personne-là est, on va dire, bénéficiaire, entre guillemets, des avantages du trône. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans une famille, c'est une personne qui peut avoir toutes les richesses. Alors, c'est la seule personne qui est riche, c'est la seule personne qui a fait peut-être des études, c'est la seule personne qui est élevée dans la société, c'est la seule personne qui est distinguée, c'est la seule personne qui vit le bien, apparemment qui vit bien. Alléluia. Amen. Mais nous savons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce qu'il peut être bien à un temps donné, mais la fin, on paye toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le trône réclame toujours un prix. D'où les sacrifiés. Alléluia. Amen. Donc, ce sont les troisièmes catégories, les sacrifiés. Ils n'ont rien. Ils peuvent faire fournir des efforts, mais ils ne réussiront jamais. Oh, pitié. Ils peuvent faire des efforts, donc donner de leur... Tout ce qu'ils peuvent faire, donner. Mais comme maman a l'habitude de dire, il ne faut pas juger. Alléluia. Quand tu vois ton prochain dans des problèmes, tu dis, mais toi tu es au chômage depuis longtemps. Tu es fainéant. Non, pas forcément fainéant. C'est le trône qui a avalé son travail. Oh, alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui est dans la haute de la pauvreté, dans la misère totale. Tu dis, non, lui, je ne sais pas, tu vas commencer à juger. Il ne faut pas juger. C'est le trône. Alléluia. Amen. C'est les sacrifiés bien-aimés dans le Seigneur. Ah, bien-aimés, on nous a enseigné. Dieu. Quelle est ta position? Chacun de nous doit connaître sa position. Est-ce que tu es une personne inconsciente? Si tu l'étais, bien-aimé, à cause de ces enseignements, tu ne l'es plus. Parce Amen. Que tu as la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que tu es sur le trône? Si tu es sur le trône, bien-aimé, tu dois faire la grande repentance. Amen. La très grande repentance. Parce que le trône ne réclame pas autre chose que la mort, donc le sang. Alléluia. Et le sang versé, c'est le sang des innocents. Non seulement le sang, il réclame beaucoup de choses. Alléluia. Qu'est-ce qui nourrit le trône, bien-aimé? C'est le célibat, comme on dit, c'est le mariage, c'est l'argent. La Bible déclare que l'homme se nourrira à la sueur de son front. Tu peux travailler bien comme il faut. Tu peux même avoir plusieurs travails. Même trois, deux ou trois travails. Tu peux même travailler, on va dire, 50 heures dans la semaine. Mais tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu nourris ton travail, nourris le trône. Tes enfants, t'ont dit, ta maternité nourrit le trône. Amen. Amen. Mais c'est le temps de faire encore le bilan. De voir. Peut-être que tu n'avais pas bien compris. Mais à cause de la parole, à cause de cette parole, il faut que tu te soutiens. Est-ce que tu es sur le trône? Si tu vois autour de toi, tout le monde n'est pas bien, mais toi tu es bien. Ne te glorifie pas. Alléluia. Amen. Si tu connaissais Jésus-Christ, que tu as prié, Dieu t'a délivré, t'a béni. Amen. Ça c'est bon. Je dis même gloire à Dieu. Mais si tu n'as rien fait, si tu n'as pas fait de marche de prier, de toucher le genou, de chercher la délivrance, mais que tu as la richesse, que tu as le mari, toi, tout est bien chez toi, mais chez les autres, il n'y a rien. Bien-aimé, c'est que tu es assis sur un trône. Amen.
c'est que tu as été choisi par la coutume et élevé par rapport à tes frères, par rapport à tes soeurs. Alléluia. Je veux juste faire. Merci pour la connaissance. Pour, je vais pointer du doigt le témoignage de notre papa. Papa, alléluia. Dans ce témoignage, il est le seul qu'à avoir étudié, à avoir des diplômes, en tout cas à dépasser le niveau bac. Il est le seul à parler français, on va dire. Il est le seul à avoir construit des maisons. Il est le seul à avoir eu des voitures. Amen. Amen. Mais le prix, c'était quoi? Bien-aimé, ne te glorifie pas parce que tu es sur le trône. Non. C'est la grande malédiction. Jésus. Est-ce que tu sais que peut-être que tes enfants ont été sacrifiés à cause de toi? Jésus, pitié, Seigneur. Je sais que c'est papa, pitié, Yahweh, pitié, Seigneur, Jésus. Et pitié, il y a beaucoup de signes, comme disait maman. Et pitié, Seigneur, Jésus. Les personnes qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont rien. Mais une des caractéristiques du trône aussi, c'est la destruction. Tu vois autour de toi la destruction. Donc tu commences quelque chose, une entreprise. Ça peut marcher au début, mais au bout d'un certain temps, plus rien. Destruction. Tout par terre. Tu vois la destruction dans ta maison. Tu vois la destruction, bien aimé, c'est la mauvaise santé. C'est-à-dire que tout est la maladie. Tu vois la destruction, c'est-à-dire que bah, tu peux travailler, tu peux avoir l'argent, mais il va y avoir une situation qui va faire de sorte que l'argent part. C'est seulement pour nourrir le trône. C'est la grande destruction. La destruction. Tout est des fausses couches. Tu n'avais pas à concevoir. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est la destruction. Amen. Et dans toutes ces choses-là, comme je disais tout à l'heure, il y a un idole, plutôt une idole, qui est assise sur le trône. Et on nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Il a dit quoi? Qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. Alléluia. Donc pendant des générations, bien-aimé, vous êtes sous la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas, ne crois pas que le diable est bête. Le diable, il connaît très bien la parole de Dieu. Alléluia. Pour que toi et moi, pour que nos familles, pour que des générations puissent répéter la même chose, il a établi le système de la coutume. Donc, si une personne n'est plus sur le trône, on met une autre personne à la place. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est une malédiction sans fin. Alléluia. Donc, c'est un trône qui ne va pas finir. Il veut imiter Dieu. Le trône de Dieu est éternel. Donc, pour que son trône, les trônes soient éternels, il a copié Dieu, il a mis en place ce système. Alléluia. Dans le monde entier, le roi est mort, vive le roi. Alléluia. Et je vais donner mon témoignage. Je vais juste épingler. Comment est-ce que le trône m'attendait moi aussi? Alléluia. Mais avec ses connaissances, moi, je dis non. Amen, je refuse le trône, je renonce au trône. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis que comment est-ce que le trône m'attendait? On me tendait le trône. Et par la grâce de Dieu, je n'avais pas le discernement. C'est à cause de ces enseignements que j'ai que ce que j'ai vu, moi-même étant en train de sacrifier mes enfants, c'était pour nourrir le trône. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas les révélations. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, à un moment donné, Dieu va te donner la révélation plutôt complète. Alléluia. La Bible dit que nous connaissons en partie. Alléluia. La révélation que tu as eue aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un discernement. Mais peut-être dans le temps, Dieu va te compléter le discernement. Donc ne néglige pas tes révélations. Amen. Ne néglige pas la parole des enseignements. Ce que tu apprends aujourd'hui, on ne parle pas aujourd'hui de trône. On nous a parlé hier de l'esprit de la sorcellerie. Bien, mais tout ça, ça englobe un tout. Ça fait partie de la connaissance. Ne néglige pas. Pour dire que le trône, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Alléluia. Amen. C'est le trône, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, comme toutes les divinités, on les adore. Bien-aimé, le diable ne fait que copier Dieu. Comme lui veut être adoré, il a établi ce système de trône, il a placé ses agents, les idoles, pour que les hommes puissent l'adorer, lui. Amen. Mais Dieu a dit quoi? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'adoreras pas seulement lui, mais lui seul. Mais quand tu adores l'Éternel ton Dieu seul, tu n'as pas le droit d'adorer d'autres dieux. Mais toi, ma bien-aimée, tu te dis peut-être non, je ne me suis pas prosterné devant les idoles.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit que quiconque commet le péché adore le diable. C'est-à-dire que tout ce que le trône, tout ce que les idoles te poussent à faire, c'est l'adoration à ces idoles-là. Quelqu'un qui tombe dans la publicité, il adore le serpent. Quelqu'un qui ment, il adore le serpent. Allez lier. Bien-aimé, c'est pas adorer le diable, c'est pas forcément fléchir les genoux. Non. Quand tu fais quelque chose, en gros, quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu es en train d'adorer le diable. Allez lier. Bien-aimé, prends ces enseignements très au sérieux. Et on les a dit, même pousser plus loin, pour dire que même dans la maison de Dieu, on peut amener les idoles. Dans le livre, on avait lu la dernière fois dans le livre d'Ézéchiel, comment est-ce que les gens, les hommes, avaient bâti des autels, des idoles dans la maison de Dieu. Mais peut-être physiquement, tu ne vois pas les idoles. Mais quand tu vas dans la maison de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, si toi qui tu es au trône, ou moi même, bien-aimé, j'amène les idoles dans la maison de Dieu, et j'amène aussi les trônes dans la maison de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu es en train de faire l'impudicité dans la maison de Dieu, pendant que tu es en train de mentir dans la maison de Dieu, pendant que tu es en train de calomnier dans la maison de Dieu, pendant que tu es en train de juger les gens dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu ne fais qu'adorer les idoles là, dans la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de trône physique. À l'époque d'Ézéchiel, c'était des trônes peut-être physiques, mais les trônes sont non seulement physiques, mais aussi spirituels. Alléluia. On nous dit que tout commence déjà par le spirituel. Amen. Et ça a des répercussions physiques. Amen. Et en avançant dans cela, on a parlé d'un jeune homme qui s'appelle Gédéon, qui a vécu des choses humiliantes. Alléluia. Amen. Et dans l'exemple de Gédéon, bien-aimé, l'idole ou le trône était dans la maison de son père. Mais ce n'était pas seulement lui ou sa famille de son père qui subissait les effets de cette idole. C'est toute une nation, bien-aimé. Des millions de personnes. Des millions de personnes à cause d'un trône, dans la maison d'une personne. Alléluia. Mais imagine-toi, combien de trônes il y en a, combien de familles il y en a. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de la société qui est détruite. Oui, c'est normal. Il y a des trônes partout. Que tu sois blanc, noir, ou quelle que soit ta race ou ta nationalité. Bien-aimé, il y a des trônes partout. Le diable ne fait pas la distinction. C'est nous les hommes qui disons, nous sommes des racistes. Non, le diable n'est pas raciste. Il prend l'homme dans l'entièreté. Que tu sois asiatique, africain, américain ou australien. Bien-aimé, il y a tout le temps eu des trônes à aller lier. Mais ce matin, nous voulons prier. Nous voulons faire la grande, grande repentance. Amen. D'abord. Amen. Parce que toi et moi, bien-aimé, on a adoré les idoles. Amen. Personne ne pourra lever la main pour dire, moi, je n'ai jamais péché. Personne ne pourra lever la main pour dire, non, moi, je n'ai jamais honoré le trône. Alléluia. Amen. À moins que tu sois venu du ciel comme Jésus, que tu sois né, je ne sais pas comment, même Jésus-Christ, il est né d'une mère qui était terrestre. Alléluia. Amen. 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 Mais il est Dieu. Amen. Il est trois fois saint. Amen. 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 Et toi, moi, on vient d'un père, on vient d'une mère. On porte leur sang. Amen. Nos pères ont adoré leurs idoles. Toi et moi, bien-aimé, on a été peut-être des fois consacrés à ces idoles-là. Ah, Jésus. Amen. Amen. Et là, je ne veux plus parler beaucoup parce que maman a beaucoup enseigné. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la prière. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, de la même manière qu'il nous donne la parole, il va nous délivrer. Amen. Je crois. Amen. 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 Yeah.
de voir au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, quand je vois papa ma vie, quand je vois ma famille, quand je vois tout ce que toi tu m'as attiré, Jésus. Seigneur, je reconnais que moi, Joseph, je suis coupable. Seigneur Jésus-Christ, je suis coupable au Dieu des armées. Coupable au Dieu, mon roi, je te l'ai dit, Seigneur. Il y a un trône dans ma famille, Seigneur Jésus. Et il y a un trône au Père de gloire. Il y a un trône au Dieu que nous avons adoré de génération en génération. Moi aussi, j'ai adoré ce trône. Mon père, ma mère ont adoré ce trône. Mes ancêtres ont adoré ce trône. Et Jésus, il doit sur ce trône, Père de gloire. Éternel Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, je reconnais papa. Je reconnais Jésus-Christ devant Dieu, mon roi. Je reconnais que nous avons adoré les idole. Et oh Dieu, papa, nous sommes posés devant ce trône là, Seigneur. Et avec ce trône, il y a un idole. Sur ce trône, il y a le serpent. Sur ce trône, oh Dieu, il y a des divinités, Seigneur Jésus, que nous avons adoré, moi et ma famille, que nous avons adoré, moi et mes pères. Et oh Dieu, pitié de moi, Jésus. Je reconnais coupable, Seigneur, je plaide coupable. Je plaide coupable, Jésus. Je reconnais que je suis coupable, oh éternel Dieu. Et avec pitié de moi, Jésus. Et pitié de l'avenir de l'île, Seigneur, moi, je crois. Et avec pitié de moi, Seigneur, parce que nous avons adoré le serpent, Seigneur Jésus, de génération en génération, nous devons adorer le serpent. Et nous avons fait du serpent un Dieu pour notre famille. Nous avons fait du serpent un Dieu pour notre famille, Jésus. Et Yahweh, depuis des générations, Seigneur. Oh Yahweh, pitié de moi, papa. Quand je vois, oh Dieu, ma vie, quand je vois la vie de ma famille, quand je vois la vie de mes pères, Seigneur, Jésus, oui, Seigneur, nous sommes coupables. Nous sommes coupables, au Père de gloire. Moi et mes pères, nous sommes coupables, Yahweh. Moi et mes pères, nous sommes coupables, oh Jésus, l'idolâtrie. Et oui, nous avons fait du mal au devant de toi, Seigneur. Jésus, aie pitié, Seigneur, mon Dieu, aie pitié, papa, aie pitié, l'homme de Galilée, oh Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié, oh Dieu des armées, aie pitié, Seigneur Jésus, je reconnais, papa, Seigneur, l'idolâtrie, Seigneur Jésus, l'idolâtrie, oh Dieu, aie pitié, Seigneur, mon Dieu, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié, l'homme de Galilée, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié, mon Dieu, mon roi, aie pitié, je reconnais. Je reconnais que je suis coupable, Seigneur Jésus. Coupable d'idolâtrie, Seigneur. Moi aussi j'ai adoré, Seigneur. Moi aussi j'ai adoré, oh Dieu des armées. Oui, Seigneur, physiquement, je ne me suis pas prosterné devant les idoles. Mais spirituellement, Seigneur, j'ai adoré les idoles. Spirituellement, j'ai adoré les serpents. Spirituellement, j'ai fait le mal. Et pitié, Seigneur Jésus. J'ai obéi aux idoles du trône, Seigneur. J'ai obéi à la voix des idoles du trône, oh Jésus. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon Dieu. Aie pitié de l'homme de Galilée. Oh, Yahweh, je reconnais que je suis coupable. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Yahweh, pitié de moi, Jésus. Oh, Yahweh, Yahweh, pitié de moi. Aie pitié. Oh, Jésus. Aie pitié. Aie pitié. Seigneur, nous avons du mal, Seigneur, pitié, papa, et pitié de l'homme de Galilée, et pitié de moi, Seigneur Jésus, et pitié de moi, Seigneur, mon roi, et pitié de moi, Seigneur Jésus, et pitié de moi, Seigneur, mon roi, et pitié de moi, Seigneur. Ne m'élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé dans ce même prix à l'éternel. Alléluia. Bien-aimé de faire participer. Alléluia. Bien-aimé, nous devons vraiment prier. Amen. Parce que les idoles, bien-aimé, sont toujours assis sur ce trône-là. Alléluia. Ils ne sont pas morts. Ils agissent toujours encore aujourd'hui. Ils travaillent aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regarde ta famille. Regarde ta famille, bien-aimé. Est-ce que Dieu peut faire des gens avec des erreurs? Regarde ta famille. Est-ce que Dieu peut faire de l'humanité avec des gens qui ne peuvent pas travailler? Non, il a dit que l'homme nous regarde à la fondation de son poids. Mais d'où vient le chômage de ta famille? Il a dit qu'il n'y aura pas de stérilité dans son peuple. Mais d'où vient la stérilité? Bien-aimé, ce sont les citoyens qui travaillent encore aujourd'hui. Ils agissent encore. Ils sont toujours sur le trône. Élève ta voix. Jésus, Seigneur Jésus, Yahweh, pitié, papa. Ces idoles sont vivants, Seigneur. C'est le serpent, Seigneur Jésus. C'est le serpent, oh Dieu, qui est assis sur le trône, Seigneur. Oh Dieu de ma famille, Jésus. Ces idoles sont vivants, oh Dieu, mon roi. Jésus, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Ce sont des esprits, Seigneur. Ces idoles sont vivants, oh Dieu. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, oh Dieu, désormais. Aie pitié de mon père.
Seigneur de gloire. Oh, Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus, je crie à toi, papa. Parce que, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, ces idoles sont encore en train d'agir. Sont en train d'agir, oh Dieu, pour moi. Dans ma vie, sont encore en train d'agir, Seigneur. Dans ma famille, sont encore en train d'agir, oh Dieu. Seigneur, oh Yahweh, nous devons de la frappe à force, nous les devons nourrir, Seigneur Jésus. Nous les devons nourrir, oh Dieu, les amis. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, oh Père de gloire. Et pitié, Jésus. Et pitié, Yahweh. Et pitié, Seigneur, mon sauveur. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, mon sauveur, Seigneur Jésus. Et Yahweh, je crie à toi, Seigneur, mon sauveur. Et pitié, papa, Seigneur. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Je te supplie, Seigneur, mon sauveur. Je te supplie, Seigneur, mon sauveur. Jésus, je te supplie, Seigneur. Yahweh, pitié de toi, Seigneur Jésus. Et pitié, papa. Seigneur, je reconnais, Seigneur, mon sauveur. Yahweh, je reconnais, Jésus, je m'aime. Créer l'éternel parce que quand je vois le peuple d'Israël, amen, à l'époque, quand ils ont voulu un roi, Samuel était fâché et Dieu a dit non, ne te fâche pas parce qu'ils m'ont rejeté, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Mais quand on rejette Dieu, c'est un autre qui règne. Alléluia. Nos familles ont rejeté Dieu. Ce sont les serpents qui règnent, ce sont les rois qui règnent, ce sont les démons qui règnent. Et les démons ne voient plus à l'éternel. Jésus, ma famille a rejeté Dieu. Mes ancêtres ont rejeté Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, moi, mes peuples sont coupables. Nous t'avions rejeté, Seigneur Jésus. Moi, ma famille, nous t'avions rejeté. Oh Dieu, les amis, Jésus. Nous avons pris pour Dieu les serpents. Nous avons pris pour Dieu les idoles. Nous avons pris pour Dieu, papa, les démons. Yahweh, pitié, Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus, et pitié, Seigneur, mon sauveur, et pitié, Yahweh, oui. Parce que nous avons de toi, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, nous devons rejeter ma part, nous devons rejeter le vrai Dieu, nous devons rejeter le véritable Dieu, nous devons te jeter au Dieu, l'unique Dieu. Pour nous, tu m'en vas être asservi par les idoles, pour être asservi par les serpents, pour être asservi par les chiens, pour être asservi par les démons, pour être asservi par les esprits, Seigneur. Oh, Dieu, pitié, Jésus, et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Yahweh, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, mon Père de gloire, Yahweh. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, mon Père de gloire. Moi et ma famille, nous sommes coupables, Yahweh. Moi et mes pères, nous sommes coupables, Jésus. Nous sommes de la haute malédiction, Seigneur Jésus. Nous sommes de la haute malédiction, Jésus. Nous vivons la malédiction, oh Dieu. À cause de l'idolâtrie, Seigneur. La cause de l'idolâtrie, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, pitié, papa, pitié, 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 Se
arrête, Seigneur. Je suis venu arrêter l'année de trop dans ma vie. Je suis arrêté, venu arrêter les trois dans ma vie. Je suis venu arrêter la destruction de trois dans ma vie. Je suis venu arrêter les trois dans ma vie. Je ne veux plus être dépouillé. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Alléluia. Pardonne-nous. Amen. Amen. Oui, c'est vrai qu'il y a la malédiction à cause de l'idolâtrie. Amen. Amen. Mais comme on se rappelle du titre de notre enseignement, c'est le dépouillement du trône. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on prend l'exemple de Gédéon, alléluia. Amen. Non seulement Gédéon et sa famille étaient dépouillés, mais tout le peuple d'Israël était dépouillé à cause du trône. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, il y a un prix à payer. Oh, amen. Alléluia. Amen. Il y a le dépouillement de la santé. Mm-hmm. Il y a le dépouillement physique, c'est-à-dire financier. Mm-hmm. Il y a le dépouillement qu'on appelle la destruction. Donc tout ce que tu peux avoir est détruit. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, mais c'est très grave. Alléluia. Amen. Je veux toujours référer au témoignage de maman. Alléluia. Amen. Maman veut témoigner que elle avait fait un songe qu'elle-même était en train de détruire avec une batte de baseball, je crois. C'était ça. Alléluia. Mais le diable ne va pas utiliser un autre. Il va utiliser seulement nos propres mains pour amener la destruction. Pourquoi? Parce que le trône a besoin d'être ouvert. Alléluia. Mais on va prier à l'Éternel. On va se lamenter devant Dieu. Sinon, Seigneur, aujourd'hui je vis le dépouillement. Aujourd'hui je vis le dépouillement. Ma famille vit le dépouillement. Mes enfants vivent le dépouillement. Mais pitié de moi, Jésus. Oh, d'abord, il va passer les toi. Pitié de Jésus. Seigneur, je vis le dépouillement. Je vis le dépouillement pour le trône de Seigneur Jésus. Quand je vois ma famille, quand je vois mes grands frères, mes grands soeurs, je vois le dépouillement. Quand je vois mes petits frères, quand je vois ma mère, je vois le dépouillement. Quand je vois, je réalise la vie de mon père, je vis le dépouillement, Seigneur Jésus, à cause du trône. Éternel, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de mon père, papa. J'ai pitié de moi. J'ai pitié de moi. J'avance devant de toi, Seigneur Jésus. J'avance devant de toi, le Seigneur. Seigneur, aie le dépouillement, Seigneur, moi. J'ai dit à ma vie, aie le dépouillement, Seigneur. Oh, Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, à vous de vous, Yahweh, quel est le prix, moi, Jésus, pour la prochaine création, Seigneur.
Seigneur Jésus. Je crie à toi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pitié de moi, Seigneur. Le diable, tu me prends vraiment, Seigneur, pour me dépouiller, Seigneur. Et oui, pitié de moi, Jésus. Et pitié de l'homme de Galilée. Et pitié, Jésus. Oh, et oui, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Et oui, pitié de moi, Seigneur. Et oui, je crie à toi, Seigneur. Et mais tu sais, oh Dieu, que moi-même, pour me dépouiller moi-même, Seigneur, mon roi. Il me veut utiliser moi-même Jésus, mes propres mains pour me dépouiller au Dieu des armées, pour me dépouiller au Père de moi, de mes études, pour me dépouiller de mes diplômes, pour me dépouiller de tout ce que j'avais de précieux, oh Dieu. Jésus, pitié, Jésus, pitié, Seigneur, pitié, papa, je crie à toi, Jésus, je crie à toi, Jésus, je crie à toi, Jésus, je crie à toi, et pitié, Seigneur Jésus, et pitié, oh Dieu des armées, oh Yahweh, je crie à toi, Seigneur, et pitié de moi, Seigneur, et pitié. Pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, Yahweh, pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Oh, Jésus, je vais crier à l'Éternel. Quand tu viens de prier à l'Éternel. Jésus, je crie à toi, papa. Oh, Jésus, pitié. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Oh, Yahweh, pitié de moi, Seigneur, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Maman se demande de toi, papa. Yahweh, je t'en supplie, pardonne. Aie pitié de moi, Yahweh, je pleure. Ta pitié. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Yahweh, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Bien souvent, nous, surtout nous qui venons au ministère chrétien du combat spirituel, on s'impatiente. Alléluia. Alléluia. Amen. On s'impatiente parce que, on dit non, je prie, mais je n'ai pas les réponses, je n'ai pas ce que je veux. Alléluia. Amen. Mais bien, maman vient me souffler un mot. Amen. Maman dit que le trône réclame même ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu nous aime, amen. De même, ça ne sert à rien de se décourager dans ce ministère. Il faut juste avoir la connaissance, l'information. Alléluia. Amen. Bien aimé, si Dieu te donne tout et que le trône subsiste, le trône va réclamer, le trône va te dépouiller de toutes ces choses-là. Bien aimé, toi tu cherches à avoir des enfants, mais le trône est là. Bien aimé, le trône est là. Mais toi tu veux des enfants, le trône est toujours là. Dieu te donne des enfants, tu vas les sacrer toi-même au trône. Toi qui cherches le travail, mais le trône est là. Le trône va toujours avaler le travail. Donc, crie à l'Éternel. Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Le trône réclame même ce que Dieu m'a donné. Jésus, me voici devant de toi. Seigneur, oui, tu m'avais béni. Oui, j'ai mis ta main, Seigneur, dans ce ministère. Mais ce que toi, tu m'as donné, le trône a pris. Ce que tu m'as donné, le trône a réclamé, Seigneur Jésus. Le trône va dépouiller, oh Dieu, les armées. Le trône va dépouiller, oh Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Alléluia, je vais vous donner un exemple, mon témoignage concrètement. Alléluia, pour vous signifier ce qu'on vient de dire. Amen. Bien là, je vous ai dit comment est-ce que j'ai galéré pour avoir un diplôme. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a fait grâce en 2008. J'ai eu ma licence. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce que je vis ma licence? Non. Est-ce que je vis le fruit de ma licence? Non. Pourquoi? Le trône a dépouillé. C'est ça. C'est Dieu qui m'a donné la licence. Amen. Parce que j'étais entré en jeûne 14 jours, juste à l'eau. Amen. Dieu m'a accordé cette grâce-là. Mais je ne vis pas ma licence. Le travail que je devais faire avec ma licence, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Parce que le trône m'a dépouillé. Alléluia. Bien-aimé, tu dois crier au Seigneur. Regarde ton cas. Crie à l'Éternel, dis Seigneur, aie pitié de moi. Oh Dieu, des armées, pitié de moi, Jésus. Seigneur, aie pitié de moi, papa, me voici devant de toi, Jésus. Seigneur, oui, Seigneur, tu m'as béni dans ce ministère, tu m'as béni, oh Dieu, dans ce siège. Mais Seigneur, le trône m'a dépouillé, oh Dieu, mon roi. Quand je vois, ne serait-ce que la licence que tu m'as donnée, Seigneur, Jésus, j'ai souffert pour avoir cette licence. Que tu m'as donné, oh Dieu, par ta seule grâce au cœur de gloire. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne vis pas le fruit de la licence. Je ne vis pas, oh Dieu, le fruit
de la licence, je ne vis pas. Je ne travaille pas avec ma licence, oh Dieu les amis. Le trône m'a dépouillé, oh Dieu les amis. Le trône m'a dépouillé de ce que tu m'as donné. Le trône m'a dépouillé de la licence que tu m'as donné. Oh Dieu, pitié de moi, Jésus. Me m'assure devant de toi, Seigneur. Me m'assure devant de toi, Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Torah. Et Yahweh, pitié. Jésus, pitié. Éternel Dieu, les amis, pitié de moi. Me voici devant de toi, Seigneur Jésus. Me voici au devant de toi, Papa. Je reconnais, Seigneur, mon roi, le dépouillement. Je reconnais comment tu es mon roi, le dépouillement. Seigneur, je reconnais le dépouillement, Jésus. Je suis dépouillé, Seigneur. Oh Dieu, pitié, Seigneur Jésus. Le trône m'a dépouillé, Seigneur. Pourquoi je crie à toi ce matin? Et moi, je crie à toi ce matin. Mais lève-toi, roi. Qu'est-ce que le trône t'a dépouillé? Qu'est-ce que le trône t'a pris de précieux? Tu nous donnes des choses précieuses. Tu nous donnes des choses importantes. Mais le trône, Dieu, nous dépouillé. Et lève ta voix, bien-aimé. Crie à l'Éternel. Jésus, pitié de moi. Oh Dieu, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Oh Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi, mon Dieu, mon roi. Et pitié, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Éternel, pitié. Je vis le dépouillement, Seigneur Jésus. Je vis le dépouillement, oh Père de gloire. À cause du trône, Seigneur Jésus. À cause du trône, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et pitié de l'homme de Galilée. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, l'homme de Galilée. Me voici, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié, papa. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Yahweh. Oh Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Et Yahweh, je viens à toi. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Seigneur, mon roi. Je me suis devant de toi, papa. Je te présente le dépouillement du trône de ma vie. Seigneur, il n'y a que toi, papa. Jésus, aie pitié de moi. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Nos enfants, nos bénédictions, nos bienfaits, tout a été livré. Aujourd'hui, nos soeurs, nous sommes dépouillés, Seigneur. Nous sommes malheureux, Seigneur, mon Dieu, papa. Regarde la situation. Alléluia. Regarde. Amen. Amen. Nous avons encore crié à l'Éternel, alléluia. Parce qu'on voit la destruction. Le dépouillement se manifeste aussi par la grande destruction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant, c'est aujourd'hui que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Amen. Mais maman peut en témoigner, quand elle est arrivée ici, ma vie était complètement par terre. Amen. Amen. Je n'avais rien, je n'étais rien, j'étais dans la souffrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la licence. J'étais dans la souffrance parce que ma vie était détruite. Amen. Amen. À cause du trône. Jésus. Alléluia. Amen. Mais regarde un peu comment est-ce que ta vie a été détruite. Peut-être que toi, Dieu t'a fait de grâce, mais autour de toi, tes enfants, tes frères, tes sœurs, il y a la destruction quelque part. Alléluia. Encore crie au Seigneur qu'il ait pitié de nous. À cause de la destruction de nos vies. À cause de la destruction de nos familles. Jésus, aie pitié de moi. Éternel Dieu, mon roi, aie pitié. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, pas seulement moi. Mais quand je vois ma vie, Seigneur. Quand je vois ma famille, Seigneur Jésus, je vois la destruction. Quand je vois ma famille, mon Père de gloire, je vois la destruction, Jésus. La destruction, mon Père de gloire, Père de bonté. La destruction, ô Dieu des hommes de ma famille. La destruction des femmes de ma famille, Jésus. La destruction, oh Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié, Jésus, le trône a amené la destruction, oh Dieu, le trône a amené la destruction, amené même la mort précoce au Père de gloire, Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié, Yahweh, aie pitié, je te supplie, Seigneur Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié, je te supplie, oh Dieu, désormais, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, moi, aie pitié, Seigneur Jésus, aie pitié, oh Dieu des armées, aie pitié, Seigneur, mon roi, aie pitié, Yahweh, Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur. Oh, Jésus, aie pitié. Aie pitié de ma famille, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Oh, Dieu, pitié. Depuis des générations, les mêmes, Seigneur, mon Dieu, papa. Comportement, Seigneur, mon Dieu, papa. Yahweh, pitié. Yahweh, pardon, Seigneur, mon Dieu. Amen. 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 Juste une parenthèse. Et on nous a avancé après. Il y a quelque chose que Dieu me met à l'esprit. Amen. 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 Pour que chacun de nous puissions nous situer exactement. Amen. Amen.
Si, bien aimé, tu constates que après le décès d'une personne de ta famille, ton sort s'est amélioré. Si tu constates que après qu'une personne qui était bien est tombée quelque part et que toi, tu te sens relevé, ça veut dire que on t'a élevé sur un trône. Alléluia. Amen. C'est juste un exemple. Amen. Comme dit le maman, nous enseigne souvent. C'est un exemple qu'elle donne souvent que pour que le trône puisse perdurer, on élève une personne. Quand son temps est arrivé et est fini, il est déclassé et c'est une autre personne qui prend le trône. Alléluia. Amen. Donc, si tu es bien aimé, tu n'as pas fait d'efforts, tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas eu la délivrance, ne te réjouis pas. C'est le trône qui t'a béni. En gros, c'est les idoles qui t'ont béni. Amen. Amen. C'était juste une parenthèse que je referme. Amen. Amen. Parce que Dieu me mettait ça à cœur. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons plaider le sang de Jésus-Christ pour nous purifier, pour nous sanctifier. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Et à notre Dieu puissant, je vais plaider le sang de Jésus dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que le sang de Jésus me lave, Seigneur. Que le sang de Jésus me purifie, Seigneur. Que le sang de Jésus me justifie, oh Dieu. Seigneur, je plaide le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me justifie, Seigneur. Là où, oh Dieu, ma part, le péché m'avait rendu injuste, oh Père gloire. Là où l'idolâtrie m'avait rendu injuste, oh Dieu. Seigneur, que le sang de Jésus me justifie. Là où le trône m'avait rendu injuste, oh Dieu. Que le sang de Jésus me justifie. Là où, oh Dieu, les idoles m'avaient rendu injuste, Seigneur. Seigneur, je plaide ton sang. Que le sang de Jésus me justifie ce matin. Que le sang de Jésus me justifie. Ce matin, je te supplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le sang de Jésus me justifie, que le sang de Jésus me justifie, oh Dieu, que le sang de Jésus me justifie, Papa. Oh Seigneur, que ton sang me purifie, qu'en âme et esprit, Seigneur, purifie mon âme, Seigneur Jésus, purifie ma vie, oh Dieu, désormais, sanctifie ma vie, oh Père de gloire, par ton sang, Seigneur Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Yahweh, le sang de Jésus, oh Dieu, désormais, je perds ton sang, le sang de Jésus, le Seigneur, que ton sang pour moi, Seigneur, mon roi. Le sang de Jésus, Papa. Le sang de Jésus, oh Dieu des armées. Le sang de Jésus, Nazareth. Le sang de Jésus, au Père de gloire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, au Père de gloire. Que ton sang pour moi, Seigneur, mon roi. Le sang de Jésus, sanctifie ma vie, sanctifie ma femme. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, au Père de gloire. Le sang de Jésus, au Père de gloire. Le sang de Jésus. Que ton sang pour le Seigneur, mon roi. Que ton sang pour moi, Seigneur, mon roi. Le sang de Jésus, Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth, il a mon âme, Seigneur, mon Dieu, il a mon âme, mon Dieu tout puissant, il a mon corps, mon Dieu de gloire, mon Dieu tout puissant, le sang de Jésus, le sang de Jésus, qui est l'effusion du sang de Jésus sur chaque dépouillement, sur chaque. Oui, je plais de ton sang, le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus de Nazareth, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, que tu me libères, que tu effaces. Que je sois pur devant toi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais demander l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Je vais demander au Saint-Esprit de venir nous aider dans cette prière. Alléluia. Élevons nos voix. Invoquons l'Esprit de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je t'invoque, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin, ô Dieu, que tu sois là pour nous conduire. J'ai besoin que tu sois là, ô Dieu, mon roi, pour nous amener au Père de gloire dans la prière, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi, ô Dieu, dans ma vie, Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne en moi, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie. Parce que moi, je sais que je refuse le trône. Et j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta puissance. Oh, Esprit de Jésus-Christ, manifeste-toi. Esprit de l'Éternel, j'ai besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Papa. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste-toi. J'ai besoin de ta chère Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Que nous soyons tous et chacun. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia.
Alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, j'aime alléluia, chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia, j'aime Jésus. Alléluia, chante alléluia, alléluia, alléluia. Apokalina yo, tabe mon côté. 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 Apokalina. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu, il n'y a que toi, il n'y a personne qui soit amen, comme lui. Amen, alléluia. Amen. Donc, on a élevé Jésus-Christ sur son amen. Trône. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, on va renoncer. Amen. On va renoncer aux idoles qui ont servi nos familles. Pour ma famille, c'est le serpent. Mais je crois que même dans toutes les familles, c'est le serpent. Amen. Amen. Après, amen. Il change juste de forme. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va renoncer à toutes ces idoles maintenant. Amen. Amen. Par ma volonté, par ma et par l'aide du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je renonce à toi, idole. Idole de ma famille, idole qui est assise sur le trône, je renonce à toi au nom de Jésus-Christ, et je refuse ces idoles. Je renonce à toi, toi, idole, qui est assise sur le trône de ma famille, toi, serpent, qui est assise sur le trône de ma famille, au nom de Jésus, je renonce à toi, au nom de Jésus, je renonce à toi, je renonce à toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toi. À toute idole qui est assis sur le trône, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toi. Toi, serpent qui est assis sur le trône, je renonce à toi. 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 Au nom de Jésus, je refuse que tu diriges ma vie. Je refuse que tu diriges ma vie. Je refuse que tu diriges ma famille. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toi. Tous les idoles assis sur le trône de ma famille, que tu sois serpent. Au nom de toi, que tu sois le chien, au nom de toi, au nom de Jésus, au nom de toi maintenant, libère ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus, toi idole, tu renonces à toi, tu t'appelles le caïman chéant, toi qui as été élevé dans ma famille, je renonce à ta paternité aujourd'hui je renonce à toi, au nom de Jésus, toi chien, toi qui as assis sur le trône, je renonce à toi, au nom puissant de Jésus, je renonce à toi, je refuse de servir les idoles, je renonce à servir les idoles de ma famille. Je renonce à l'idole de l'hostel. Je refuse de servir les idoles. On refuse de servir les idoles de la famille. On refuse de servir les idoles de ta famille. Je refuse de servir les enfants. Je refuse de servir le chien. Je refuse de servir les idoles. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom puissant de Jésus, je renonce au serpent. Je refuse de servir les enfants. Je renonce au chien. Et je refuse de servir le chien. Au nom puissant de Jésus, je renonce. Au nom puissant de Jésus, je renonce. Je refuse de servir le chien. Je refuse de servir le chien, je renonce au chien, dans le nom de Jésus, je renonce au chien, au nom puissant de Jésus, je renonce au chien, au nom puissant de Jésus, mes frères, au nom puissant de Jésus, mes frères. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons renoncer au trône sur lequel ils sont assis. Alléluia. Nous allons refuser les trônes là. Quelles que soient les générations depuis que ce trône soit été établi. On va dire non au trône là, on va renoncer au trône là, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je renonce ton trône, à l'influence du trône dans ma vie, à l'influence du trône sur ma famille, je refuse le trône, le trône du serpent, le trône du chien, le trône de la sorcellerie, le trône de la culture, établi pour servir ma famille, je renonce ton trône, au nom puissant de Jésus, je refuse le trône, je renonce à l'influence du trône, je refuse le pouvoir du trône, au nom puissant de Jésus, je renonce ton trône maintenant, je renonce au nom de Jésus, je renonce ton trône, je renonce ton trône, au nom puissant de Jésus. Je renonce au trône, je renonce au trône, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse tout un chien du trône de ma vie, je renonce au trône, je renonce au trône, je dis non au trône, au nom de Jésus, je refuse tout un chien de ma vie, je renonce au trône, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renonce à servir les trônes, au nom de Jésus, je renonce à servir les trônes, au nom de Jésus, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Je refuse de nourrir le trône. Je refuse de nourrir le trône. Je refuse de servir le trône. Au nom puissant de Jésus. Je refuse de nourrir le trône. Je refuse de servir le trône. Au nom puissant de Jésus. Je dis non.
Je renonce au nom de Jésus. Je refuse de servir le trône. Je refuse de nourrir le trône. Je ne peux pas nourrir le trône. Au nom puissant de Jésus, je refuse de nourrir le trône. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, nous ne nourrons pas le trône. Au nom puissant de Jésus, je refuse de nourrir le trône. Je refuse, au nom de Jésus, de servir le trône. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il va encore se déconnecter du trône. Amen. C'est-à-dire qu'on ne va plus subir l'influence du trône. Alléluia. Amen. Même s'ils ont choisi, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui devait être là. Non. Nous ne voulons pas être connectés dans ce trône-là. On va refuser toute connexion au trône. Alléluia, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je refuse toute connexion au trône. Toute connexion au trône, c'est la connexion au trône. Au nom puissant de Jésus, je dis non à toute connexion au trône. Je viens me déconnecter par contre du sang de Jésus-Christ. Seigneur, que je plaide pour me déconnecter du trône. Au nom puissant de Jésus, je me déconnecte du trône maintenant. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toute influence du trône. Je refuse de l'enfer de trône. Je dis non à tout l'enfer de trône. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse de l'enfer de trône. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va refuser d'être esclaves parce que maman a enseigné que les gens qui dépendent du trône sont esclaves du trône. Alléluia. Donc on renonce à l'esclavage du trône. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, je vais le renverser et je vais le briser
baissé maintenant par la parole de Dieu. Je vais vous en l'enfuissant de Dieu. Seigneur, je dis le nom de Jésus. Tous les silos, Seigneur, qui étaient assis sous le trône, que ce soit les serpents de Pilate, quel que soit leur nom, quel que soit leur nombre, je vais les renverser au nom de Jésus, quel que soit leur nom et leur nombre, dans ce siège de Dieu, pour le nom de Jésus, je vais les renverser, je vais les briser maintenant, dans le nom de Jésus, je brise le siège de Dieu, tout le nom de Jésus, je brise le silos. Je refuse de prier, je refuse que mes enfants soient des prières, je refuse de refuser la force de Dieu.
Yahweh. Tu repousses ma part au sein de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu relances dans tout de vivant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Tu relances dans tout de vivant. Tu refuses tout de vivant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Domination de ce trône dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons prêté le sang de Jésus. Ça veut dire que Jésus-Christ nous a rachetés. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que le trône a besoin de nourriture. Alléluia. Amen. Donc on nous dépouille pour nourrir le trône. Alléluia. Nous avons prêté le sang de Jésus. Que tout ce qu'on a fait pour nourrir le trône, que tout nous soit restitué à cause du sang de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur, j'ai prêté le sang de rachat. J'ai prêté le sang de Jésus. Seigneur, j'ai prêté ton sang. Seigneur, sur le trône, là-bas, on avait dépouillé ma vie. On avait dépouillé ma famille, Seigneur. Et moi, j'ai prêté le sang de Jésus. Que tout ce qui m'appartient, que on avait dépouillé pour nourrir le trône, Seigneur, me soit restitué, Yahweh. Que la vie déclare, Seigneur, que tu nous as racheté un grand prix. Tu as racheté au cours de ton sang. Et moi, j'ai prêté le sang. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus, au Dieu, en récupère, Seigneur, et réclame, Seigneur, tout ce qu'on a débrouillé pour nourrir le trône. Je pleure le sang de Jésus, je pleure le sang de rachat, je pleure le sang de Jésus, je pleure le sang de Jésus, Seigneur, je pleure ton sang, le sang de la vie immolée, le sang de Jésus, Seigneur, le sang de Jésus, je pleure ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. 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 Depuis la semaine dernière, quand on a fait la prière, pratiquement toute nuit, je vois que je suis en train de courir. Donc, je suis poursuivi. Alléluia. Amen. Les attaques, c'est la confirmation. Oui, je vois que, même cette nuit-là, quand je dors, je vois que j'étais en train de courir. On me poursuivait. Alléluia. Nous avons renoncé à toutes les poursuites. En tout cas, même si nous poursuivons, nous ne nous atteindrons pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons renoncé à toutes les poursuites. Au nom de Seigneur, je renonce à aux poursuites, aux réclamations. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes les poursuites. Au nom de Jésus-Christ, à toutes les poursuites. Au nom de Jésus-Christ, 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 je renonce aux poursuites. Nous ne nous atteindrons pas. Je renonce à cette poursuite. Je refuse les poursuites. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Je refuse les poursuites. Je m'en légitime. Au nom de Jésus. Quel que soit le niveau de poursuite, que ce soit sur moi-même, que ce soit sur ma femme, que ce soit sur la vie de mes enfants, je renonce aux poursuites. Au nom de Jésus. Je refuse les poursuites. Je dis non à toutes les poursuites. Au nom de Jésus. Toutes les poursuites en Dieu. Je refuse et je renonce à tes poursuites maintenant. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Qui sont frappés avec moi, qui sont frappés des gamins, plein de sang de Jésus, Seigneur, j'ai pris ton sang, pour frapper avec moi, Seigneur, tous ceux qui me poursuivent, par le qui sont frappés des gamins, qui sont frappés avec moi, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, Seigneur, j'ai pris ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, par la puissance de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais il fait grâce Alléluia. À ceux qui le servent, ceux qui le craignent, jusqu'à la millième génération. Amen. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a la mort, il y a la malédiction. Amen. Amen. Nous demandons au Seigneur qu'il nous fasse grâce. Amen. Au nom de la grâce de Dieu, nos vies. Nous prions pour la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, j'ai prié toi ce matin, papa. Même si, oh Dieu, les amis, moi, mes frères, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Même si, Seigneur Jésus, nous sommes éligibles, oh Dieu, à la malédiction. Et nous avons vécu la
malédiction. Mais ce matin, j'implore ta grâce. Ce matin, je crie à ta grâce. Ce matin, j'implore ta grâce, oh Jésus. Même si, oh Dieu, mon roi, je vécu de la malédiction jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, je crie à ta grâce. Seigneur, ta grâce, oh Jésus. J'implore ta grâce, oh Jésus. J'implore ta grâce, oh Jésus. J'implore ta grâce, Seigneur Jésus. J'implore ta grâce, oh Jésus. Ta grâce, oh Jésus. Seigneur, tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur. Amen. J'implore ta grâce, oh Jésus. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, homme de Galilée. J'implore ta grâce, oh Dieu. Jésus, j'implore ta grâce. Seigneur, j'implore ta grâce, oh Père de gloire. Et oh Dieu, mon roi. J'implore ta grâce, oh Jésus. Même si je mérite la malédiction. Même si je mérite, oh Dieu, papa. Seigneur, la malédiction, à cause de l'inaté. Seigneur, ce matin, j'implore ta grâce. Ce matin, j'implore ta grâce. Ce matin, j'implore ta grâce, oh Dieu. Jésus, j'implore ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta grâce de ma vie, au Père de gloire. J'implore ta grâce de ma famille, au Dieu. Ta grâce, au Père de gloire, de la vie de mes frères et soeurs, de mon frère, de mon soeur. Ta grâce, au Jésus de ma famille. J'implore ta grâce, au Dieu. Ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce, au Père de gloire, de ma femme. Ta grâce, au Dieu, de mes enfants. Ta grâce, au Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce, au Père de l'éternel. Seigneur, ta grâce, au Dieu. J'implore ta grâce, au Jésus. Ta grâce, au Père de gloire. Ta grâce, oh Père de gloire, de ma famille, j'implore ta grâce, de ma famille, j'implore ta grâce, oh Jésus, j'implore ta grâce, oh Seigneur, j'implore ta grâce, oh Dieu, Jésus, j'implore ta grâce, même si, oh Dieu, j'étais dépouillé, même si, oh Dieu, mon roi, j'étais de la malédiction, et que ce matin, j'implore ta grâce, Seigneur, ce matin, j'implore ta grâce, et que ce matin, j'implore ta grâce, Jésus, ce matin, j'implore ta grâce, oh Dieu, désormais, j'implore ta grâce.